This is Professor Raymond Nobe. Et yo Mina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Driagen. Ok, les canettes c'est cool. Je vais prendre... On se retrouve pour une petite vidéo en mode survivant sur... Mec, une arme légendaire pour toi. Prends-la. Et donc on se retrouve pour une vidéo en tant que survivant sur... Bah, Evil Dead the Game. Evil Dead the Game. Voilà, les armes... Alors, j'apprends un peu plus au fur et à mesure, bien sûr. Voilà. Par rapport à Evil Dead, j'apprends au fur et à mesure que ce n'est pas comme un Dead by ou d'autres jeux. Où tout le monde peut se défendre en étant égal. Ce n'est pas le cas. En termes d'armes, en termes de puissance, donc d'attaque à distance, d'attaque de mêlée, mon perso n'a que, en gros, 2 étoiles sur 5. On va dire en gros. Alors que si je joue un H ou un autre perso, eh ben ça ira jusqu'à 4 voire 5 en termes de stats. Tout pour dire que mon perso n'est pas fait pour faire des dégâts, donc il faut que je privilégie les armes à distance et au corps à corps aux autres personnes. Et que moi, avec la compétence... Putain, on peut même pas passer là? Ok. Et moi, avec la compétence de mon perso, mon but, ce sera d'utiliser un maximum donc de soins avec ma compétence, donc qui est mon spécial où je mets une trousse de soins par terre. Ou, il faut que je m'en sers pour utiliser les canettes. Les canettes, à quoi ça sert? Les canettes, ça sert exactement à que quand j'en bois et que mes coéquipiers sont aux alentours, ça les soigne aussi. Donc les canettes, c'est en priorité pour moi. Mes coéquipiers ne doivent pas avoir des canettes sur eux. Enfin, ils peuvent en avoir, mais c'est moi qui dois être prioritaire là-dessus. Bataclou, je vais la prendre. Je vais la santé, la mêlée, ensuite... Non? Quelqu'un veut la violette? H? Tu la veux? Non, voilà, ok. Voilà, tout ce qui est mon corps à corps surpuissant, moi je ne dois pas les prendre. Oh! Alors certes je fais mal, mais mes coéquipiers seront plus aptes à faire des... Attention! Yes! Poule! Donc voilà. Il faut pas jouer à l'arrache sur ce jeu si on fait n'importe quoi. On peut perdre. Imaginons, je sais pas, moi je prends les armes légendaires les plus fortes et que mes coéquipiers se retrouvent avec des armes encore moins fortes en style rare ou commun. Ils feront moins de dégâts, on perdra la game. Moi certes, je ferai beaucoup de dégâts, mais pas autant que eux qui auront l'arme. Moi mon rôle ce sera vraiment de soutenir la team. Ce sera vraiment mon rôle principal. Ah mais c'est moi qui a dû se mettre... Oui c'est moi qui a mis le marqueur. Donc là il faut trouver donc la map au cimetière de Vasquez. Donc c'est là où on est. Merci. Ouais je vais augmenter un peu les mêlées. Et puis on va se démerder comme ça. Ah j'entends une caisse. J'entends une caisse. Je crois qu'il y avait un ennemi monté, non? Ah voilà, le coffre. Nickel, nous donc on a des compétences, donc on va les utiliser. Je vais monter la peur. Non, ça résiste à la peur. J'ai une plus grosse résistance en termes... ouais, non, si je saute, je prends des dégâts. Je pense que là, si je saute, je prends des dégâts. Alors des fois, j'adore faire les finishes, mais il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. Hein. Mais bon, ça permet de terminer certains adversaires plus rapidement parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de vie.
beaucoup de résistance en termes de pour les stuns derrière. Donc je préfère. Oula. Donc là on entend quelqu'un. Ok, donc déjà ils ont trouvé la première. Donc ça c'est cool. Je vais regarder si j'ai pas loupé d'items importants en termes de heal et tout le reste. Ça a pas l'air d'être le cas. Toi, tu dégages. J'adore, les finishes sont ultra stylés. Donc là va falloir aller donc au Fort Gore. Hein, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il gère ! Il sait que les canettes, c'est pour moi ! Oh, thank you ! Attends, je vais te faire un truc. Thank you, tu gères. Tu gères, mec. Lui, il sait comment ça se déroule. Il sait que les canettes sont pour moi parce que je peux régénérer tout le monde avec mes canettes en buvant une canette. Ça, par contre, c'est insane. Là, franchement, GG à lui. Ah, il vient de dire qu'il est possédé. Et sa mère. Je vais te taper. Voilà, nickel. On va se mettre sur le feu. Vous voyez, vous voyez, j'ai soigné et ça a guéri mes coéquipiers aux alentours. Ah, merci, il me donne les amulettes. GG. Là, on est... Oh, on a du bouclier. Oh putain, le H, il a du bouclier. Hein. Waouh. Ouais, ouais, en fait, les amulettes, c'est ce qui donne le bouclier. Au tout début, quand j'avais commencé ma première game, je me demandais à quoi ça servait. Si ça repoussait les forces du mal, la peur, des conneries comme ça. Une sorte de gris-gris. Dégage. Allez. Ah. C'est plaisir. De buter des petits cadavéreux comme ça, c'est stylé. Allez, on va là-bas. C'est là où il y a notre père. Tu veux te battre? Attention! Et voilà. Quoi? Je te tue comme ça, voilà. Vous voyez, on peut les terminer sans finish, hein, si on veut. C'est pas obligatoire. Attends, c'est moi ou il bouge pas? Il bouge dans le vide. J'ai une perte de connexion, ce qui m'étonnerait. Ah non, c'est leur serveur, tout le monde a débugué d'un coup, ok. Voilà. Ça. Ça. Dégage. Mine de rien, les finishes sont stylés. On est obligé de dire ça. Les finishes sont ultra, ultra, ultra stylés. Come to me, yo, come to me. Il y a le joueur qui avait pris possession du squelette, mais il a déjà arrêté. Il prend plus possession du squelette, il s'est dit non, c'est bon, c'est fini. Maintenant, donc, on va devoir aller au village d'Acton. Let's go. Let's go. Oh, je l'ai pas vu, lui. Oh, il est venu comme ça, il était discret. C'est ouf la discrétion qu'il était. Je l'ai pas vu venir. With the final piece of the map in your possession, only the demon stands between you and the necessary ritual items. Donc on a trouvé tout ce qu'il faut. Maintenant on va devoir donc trouver soit le. Soit les pages, soit la dague de Kandar.
C'est Kandar, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis en train de boire une canette, mais je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir plus que 5? Je sais pas ce que c'est la limite sur nous. Je vais essayer. Ah, mais je crois qu'il faut que le chiffre soit en vert pour dire que je suis plein. Donc je peux plus que 5 alors. Merci pour l'amulette, mec. Il a géré, il a géré. Oh, deux amulettes pour moi là. Moi je vais monter un peu de bouclier. Voilà, comme ça je peux avoir une deuxième jauge de bouclier. Bon, je vais la prendre. Je crois qu'il voulait pas la prendre, sinon il l'aurait pris. Allez, un petit coup là. Ah d'accord, il a pris possession du cadavéreux, mais il a lâché la possession. Donc soit il avait pas assez d'énergie, ben soit il l'a fait lui-même. Je pense peut-être pas assez d'énergie. Un marqué un endroit comme intéressant. Ah, il est dans une voiture. Il y a H dans la voiture. On va monter un peu de bouclier. Vous venez pas les mecs? Cheryl, yo. Come to me. Allez, on y go, on y go. Ah, il veut qu'on aille dans la voiture, H. Ah, merci pour la canette. Oh. Ah, il m'a mis plein de trucs, ok. Oh, canette et amulette. Oh. Il gère. GG à lui, hein. Franchement, on se retrouve avec le mec, là. Mossé. Un mate de folie, hein. Mossé, tu déchires, hein. Non, H, je crois que la voiture marchera plus comme ça. Hein. Je crois qu'elle est morte, la voiture. Allez, on rentre dedans. Ah, il prend possession, mais il va arrêter de prendre possession de la voiture. Depuis tout à l'heure, il prend possession de la voiture, il s'amuse avec. C'est dingue. Donc, il nous reste 16 minutes pour les pages et la dague. C'est encore largement faisable. Hein. Je sais pas combien de temps il nous faut quand on est dedans pour prendre possession. Il s'est mis là, il est taré. Oh, il est possédé, possédé. Stay close and hold your position. Oh non, c'est la grognasse qui fait mal. Ouais. Allez. Là, on peut la. J'allais dire, ils vont la terminer, de toute façon, je crois. Ouais, ils vont la terminer. Ils font assez de dégâts comparé à moi, donc ce qui est très cool. Il faudrait que je regarde le temps qu'on met pour prendre chaque objectif quand on est tous dedans. Nickel. Là par contre la vieille se fait défoncer. Hein. Il a déplacé la voiture. Ok. Elle me faisait plus chier où elle était avant que maintenant. Donc ça va. Non, la voiture, tu bouges pas. Il voulait encore déplacer la voiture. Non mais il est sérieux lui.
Non mais il est seriously. Quoi, tu te dis déjà toi là-bas? Elle vient là. Gros porc. Allez, on va te défoncer la gueule. Nickel pour l'instant. On gère bien. Il est stun, il est stun. On a bientôt les pages. Je crois qu'il faut à peu près quasi 3 minutes en fait pour chaque objectif, on dirait. Là je crois qu'on va l'avoir. On était dans les 16 minutes. Peut-être 2 minutes 30, 3 minutes, à peu près. Je pense, hein. Peut-être que je me trompe, hein. La peur en premier. Le bouclier en second. Et après on verra pour tout ce qui reste. Eh ben on est très bon. Maintenant on va pouvoir se diriger. On n'a plus de voiture, elle est plus là. Eh ben on va devoir se diriger vers la dague. On a une voiture. J'aime bien, il se déplaçait, le chevalier sort déplacé, il se déplaçait, il sort déplacé. Ils n'arrivaient pas à être à faire ça, mais oh, le cadavéreux. Ouais, c'est un squelette pour vous, mais quand on connaît la licence, les monstres, c'est des cadavéreux. On avance bien et on a déjà fait plus de la moitié. Et après il va falloir s'occuper donc de bannir les démons avant de protéger le Necromonicon pour pas que les démons le détruisent. Ce qui est pur et vraiment, mais vraiment quand on y pense, ultra fidèle à la licence en elle-même. Ils ont grave géré. Ils ont vraiment très très bien géré. Moi déjà, je sais pas comment ça se passe, mais quand t'es proche de te faire bannir tes démons, et que la dague a bien avancé, tu devrais foutre tous tes démons au même endroit. Après, si c'est comme Resident Evil Resistance, bah vers la fin, t'as un peu plus facilement de l'énergie. Donc si c'est dans le même style que Resistance, donc Resident Evil Resistance, c'est faisable. Donc on va faire gaffe de pas trop prendre de dégâts de notre côté nous. Quand on est quelqu'un qui soigne, qui est très important quand même. On fait pas de dégâts mais on soigne tout le monde, on a un ultime qui nous permet de soigner. Ah je viens, viens H, ils ont besoin d'aide là-bas. Mais il faut qu'on reste aussi dans le cercle. Ouais moi je reste dans le cercle hein. Allez, viens, 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 viens. Faudrait que je mette du soin aussi pour le chevalier, là. Il a pris un peu cher. Toi, le petit cadavéreux, tu nous fais pas chier. Et toi, tu dégages. Je vais pas faire de finish, là. Alors ça, je ne sais pas encore à quoi ça sert, le chaudron, hein. Excusez-moi, mais c'est pas très beau, hein, faut le péter. Hein. Ah, il a été possédé. Là, on le tatane, on le tatane, on le tatane, on lui tatane sa mère, on lui tatane sa mère. Vas-y, prends-toi dans ta race, grognasse. Oh, j'ai bien soigné. Entre mon ultime et la petite canette de Shemps, ça aide très très bien. La dague est bientôt. Boum! Mais sachez que la jauge, que ce soit pour la dague ou les pages, va un peu plus vite si on est à 3 dedans. Enfin, si on est full dedans. Si les 3 personnes avec moi vont dedans, ça ira plus vite.
en cas où. Alors, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est ce qui a été dit dans le tuto. Donc là on avance très bien. On a bientôt les... Voilà, bah on a la dague. On a les pages et on a la dague. La dague, donc on va pouvoir bannir ces satanés démons. On va monter l'endurance qui est trop important. Ouais, l'endurance est important. Donc les démons sont là-bas à bannir. Ils sont sur la droite. Ok. Va falloir qu'on y aille. Et comme vous voyez, maintenant, on n'a plus de temps pour bannir. Alors, vous allez dire, oui, Dridri, donc s'il n'y a plus de temps limite, tu peux prendre ton temps, y aller et tout. Alors, oui et non. Oui, parce que c'est cool, on peut entre-temps chercher des équipements si on voudrait chercher du soin et tout. Mais à la fois, non, parce que maintenant, il peut protéger ses démons à bannir. Donc, il peut mettre plein de démons autour. Et donc, en gros, ça va devenir de plus en plus dur si on attend de plus en plus. Là, on doit bannir directement. On doit les bannir directement. Le plus vite possible. Bon. Il me manque deux petites bouteilles qui me permettraient d'être full, mais c'est pas grave. À première vue, je ne veux pas vendre la peau de l'ours après avant de l'avoir tué, hein, bien sûr. Mais de ce que j'ai vu, le joueur en face n'a pas l'air d'être aussi fort que le dernier joueur que j'ai affronté, que je vous ai fait en vidéo. Bien sûr, je peux me tromper. Hein. Vers la fin, tout peut se jouer. Hein. C'est vrai que je vous avais fait une vidéo la toute première fois, j'avais refait quelques games. Et une game à la fin, le mec, on l'a déchiré. Il nous restait même pas 20 minutes, il restait dans les 20 minutes, on l'a déchiré, mais vers la fin, c'est lui qui nous a déchiré. Tout peut se jouer vers la fin. Tout. Donc là, il va falloir qu'on aille bannir les démons. Toi, t'as un souci. Ah, je te tabasse ta mère. Aïe. Voilà. Nickel. Ah ok, il fait sa compétence. D'accord. Allez, let's go les amis, on est à 185 mètres. Plus on va attendre, plus il va mettre des cadavéreux. Bon là, je veux dire des zombies. Mais là, il y a des cadavéreux aussi ici. Alors, est-ce que c'est des cadavéreux qu'il a posé stratégiquement en avance ici ou à l'arrache? Ou est-ce que c'est des cadavéreux qu'il pose maintenant en perdant du temps de se faire bannir ses démons? Ce serait un peu bizarre de tout mettre ici. Ah bah il a activé l'arbre, ok. Je sais pas. Pour l'instant j'ai des doutes sur la puissance du joueur adverse du côté des démons. J'attends de voir la fin. Parce entre les démons à bannir. Eh j'y arrive pas hein. J'allais dire des ballons au lieu des démons. Entre les démons à bannir, qui eux aussi nous attaquent, et ce qu'il peut invoquer. Mais là, il invoque plus rien, je crois, non? Je pense qu'il a peut-être enfin compris. Il a peut-être enfin compris qu'il fallait mettre ses démons là-bas. Allez, il faut qu'on bannit. Faut qu'on bannit. Utilisons la dague. Let's go! On va vous bannir, pourriture communiste. Voilà, ils ont déjà perdu un segment de vie. Donc déjà, c'est cool. Ça me fait... C'est stylé, franchement, de bannir ces genres de démons. Ils sont trop beaux. C'est vachement bien. Franchement, c'est un des moments que j'adore le plus dans ce jeu. Ce moment là où tu dois les bannir avec la dague, trop stylé. C'est trop stylax. Ah, ils vont faire leur attaque par terre. Ah, je croyais que c'était juste pour repousser, mais ça fait des dégâts.
J'apprends quelque chose, ils vont perdre un segment. Il leur reste plus que deux. Il en reste plus que un point de vie. Allez, faut les bannir. Il manque plus que la fin, Allez. Hop, la musique est épique, sa mère. Ils vont attaquer par terre, faut les bannir avant, nickel. Maintenant, vu qu'ils sont bannis, il va falloir protéger le livre. On boit une canette pour soigner nos coéquipiers, c'est cool. Là, il est stun. C'est nickel. Est-ce qu'on attaque le chaudron, les amis? Non? Oui, c'est bon. Il doit vraiment faire un truc, le chaudron, mais il faudrait vraiment jouer quoi? Je pense que c'est la dernière classe qui est sortie, parce que quand j'ai joué, il n'y avait que 3 classes de démons. Là, ils ont sorti une quatrième. Donc, faudrait que je regarde. Dégage. Allez, je te tabasse ta mère et... Boum. Je leur laisse taper. Je m'embête pas. Moi, je leur laisse faire le taf. Je tape un peu. Mais je leur laisse plus faire le taf, eux. Autre chose. Voilà, il est mort, lui. Toi aussi. Ok, vous, il faut 2 coups. On va pas s'embêter, on va user nos munitions de flingue maintenant. Lui, il a perdu beaucoup de vie. Oh non, pas la grognasse avec ses sorts. Ah, elle, si elle était à Poudlard, c'était une serpentard. Salope. Merde, c'est sorti tout seul. Retourne à Poudlard. Retourne à l'école des sorciers. Toi, t'es encore un sorcier qui a mal tourné. Allez, il reste 4 secondes et on a GG. De toute façon, on a gagné dans les deux cas, c'est bon. Bah, nickel à vous. Et franchement, GG la team. Très bonne team. Et un mate qui parle en anglais, certes, mais que j'ai compris et qui m'a aidé. Franchement, GG à tout le monde. GG's.